fille infatigable, c'est pour Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est la prochaine présidente de la France à 2022. Marine Le Pen, c'est la lumière de France. Marine Le Pen, c'est la culture française. Marine Le Pen, c'est pour protéger l'Église catholique. Marine Le Pen, c'est la lumière, c'est l'étoile, c'est la victoire française. C'est la victoire de tous les Français. C'est la victoire de le jour par jour. C'est la victoire que Dieu lui a donnée à ce monde pour protéger la France, parce que la France, c'est un pays qui se tombe jour par jour avec la gauche. La gauche est l'ennemi de l'Occident. C'est pour ça que c'est l'ennemi de la France. Je dis directement Carlos Alberto Acosta Suárez. J'aime bien Marine Le Pen, parce que j'aime bien l'Église catholique. J'aime bien la France à partir de 2020, que j'étais la première fois à Paris. Et c'est pour ça que j'aime bien la France, que je parle de Marine Le Pen, que je protège Marine Le Pen, que j'aime bien Marine Le Pen. C'est pour ça que mon art, c'est pour dédiquer à la France. Mon biographie infatigable, c'est, je la dédique à Marine Le Pen. Sous 50 ans, en défense des droits de l'homme. Merci bien à tous, madame Mademoiselle Messier. Oui, la victoire par Marine Le Pen à 2022. C'est vrai. Oui.